Menu spécial fête de fin d'année pour ce deuxième épisode. Les athlètes ont-ils fait des excès pour Noël? Vont-ils veiller le soir du réveillon? Le 10 minutes nordique vous dévoile les péchés mignons des champions du ski français. L'équipe de France féminine de fond a vécu un été agité. Elles ne sont plus que deux sur la Coupe du Monde, avec un nouvel entraîneur. Focus sur les coulisses de leur nouvelle organisation. Enfin, le portrait jeune du mois, c'est Clément Paris. Le fondeur au Savoyard de 21 ans veut confirmer cette saison qu'il faudra bien compter sur lui pour faire grimper un nordicomètre dans une forme étincelante. La dernière fois que j'ai peut-être pu profiter de Noël comme il se doit, c'est quand j'étais petit, quand j'étais encore jeune. C'est pas tout le temps facile de dire non, mais voilà, il faut se réserver parce qu'on repart en compétition 2 semaines après. Il y a la journée du 25 qui est un peu différente des autres. Au lieu d'aller skier 2 fois, on va peut-être aller skier qu'une seule fois. J'ai la chance d'avoir un frère aussi qui pratique le biathlon et du coup je me sens un peu moins seul quand je dois quitter la table à 23h pour aller me coucher. J'aime manger, j'aime me faire plaisir et voilà, je fais attention aux quantités, je fais attention à l'alcool, mais ensuite voilà, je me prive de rien. L'énergie, on en dépense, donc on peut se permettre de manger des gâteaux, du foie gras et compagnie. Moi, je sais que j'ai pas de soucis pour l'éliminer. Et c'est dommage de se priver du bon foie gras et puis des bons dîners. C'est un bon repas de Noël, ça fait du bien. C'est pas en Norvège qu'on mange du foie gras, donc on en profite. On va pas faire d'excès non plus sur l'alcool, sur le foie gras, mais... Peut-être une petite coupe de champagne et une petite pastisserie à la fin. Le mot d'ordre, en fait, c'est vraiment se faire plaisir, quoi. Je crois que c'est... tu peux te faire plaisir sans prendre 3 kilos. Quoi. J'ai mes grands-parents qui sont dans le sud-ouest, donc voilà, le foie gras, typiquement, c'est clair que... D'ailleurs, c'est pas qu'à Noël. Un bon verre de vin rouge, ça fait du bien, avec un petit bout de foie gras, des choses qu'on mange pas souvent, quoi. Un foie gras entier, là, c'est délicieux. Ouais. Le chocolat, j'aime bien aussi. On rattaque, quoi. On va faire notre petite coupe de champagne entre nous et bonne nuit. Oui, c'est ça. On va pas attendre minuit pour se faire des bisous. Non, j'attends les 12 coups de minuit, puis me coucher au 12e coup. Le 31, du coup, il devrait être à Lenzerheide, à l'attaque en Suisse, au démarrage du tour de ski. Ces dernières années, on était à Oberhof pour le 31, donc c'était un petit peu différent. Je l'ai fait qu'une fois, moi, en fait, à Oberhof, et c'est vrai que le repas de l'hôtel, c'était de la Macédoine, et puis on était couché à 10h après une tisane, donc c'était pas extra. C'est un moment assez glauque où on se retrouve le groupe de biathlon au milieu des quarts de troisième âge qui sont venus fêter le premier de l'an à Oberhof, et c'est vrai que c'est un des seuls moments où on se sent un peu... Un peu seul. En fait, des fois, on se couche tôt, mais on arrive à s'endormir qu'à 1h. Donc, on se le souhaite avec Ronan dans la chambre, dans le lit, dans le noir. C'est mieux à la maison, quand même. La photo de famille a bien changé. En un an, l'équipe de France dames a été décimée. Célia et Monnier partis sur le biathlon, Aurore Jean enceinte. Elles ne sont plus que deux dans le groupe A. Anouk Fèvre-Picon et Coraline Hugues, avec au printemps un nouvel entraîneur, l'ancien fondeur Alex Rousselet, et un moral à rebooster. L'épisode du printemps a été un petit peu compliqué pour les filles, parce qu'elles se sont senties sur le coup un petit peu abandonnées, mais c'est pas du tout le cas. Au début, ça a été difficile de retrouver ses repères, de partir aussi en sachant qu'il n'y aurait pas de relais, qui sont des courses que j'affecte particulièrement et qui faisaient du bien à l'équipe, mais aussi individuellement. Donc voilà, après, il a fallu recréer, se relancer. Et puis finalement, je pense que c'est aussi un avantage que d'avoir un entraîneur qui est presque un entraîneur personnel, parce qu'on n'est que deux et qu'il a beaucoup de temps à nous consacrer. Au printemps dernier, changement d'organisation donc. Beaucoup de préparation en solo et en duo lors de stages en petit comité. Et très vite, les bienfaits de la nouvelle organisation qui apparaissent. J'ai trouvé que c'était bien de pouvoir jongler entre-temps en étant juste que Alex et Anouk en stage pour pouvoir se poser, discuter sur les objectifs, comment on voit les choses. Moi, ça m'a fait du bien aussi rien que de bousculer un petit peu mes habitudes, de reprendre à zéro, de réexpliquer un peu son fonctionnement, d'être un peu bousculé,
Donc pour moi, c'est toujours quelque chose qui est bénéfique, je trouve, de bousculer ses habitudes. Avec une préparation plus longue que d'habitude, les deux filles ont décalé leur début en Coupe du Monde en ciblant mieux leurs objectifs, notamment ce 15 km de Davos taillé pour elles. Après des débuts difficiles à Lillehammer, l'étape suisse arrive à point nommé. Ça a été difficile à Lillehammer, mais elles n'ont pas perdu confiance. Bah, aujourd'hui, elles ont l'air assez bien, donc assez bien mentalement. Elles ont envie de se battre, elles ont envie d'aller un peu au combat face aux autres, donc j'espère faire. À la veille de la course, la tension est montée d'un cran. Alex Rousselet se dédouble pour conseiller au mieux ses deux athlètes avant le débriefing vidéo à l'hôtel, où les garçons sont là pour participer à l'effet de groupe. Il n'y aura pas de relais cette saison, et les courses en skating ne sont pas nombreuses, alors chaque départ rajoute de la pression. Coraline et Anouk ont tiré les petits dossards et partent devant. Combatives mais en manque de course, elles terminent 24e et 29e et marquent leur premier point de la saison. Bah, je crois que je suis 20 du coup. Voilà. C'est pas mal pour le début. Ouais. Il y a des petits regrets, mais au bout du compte, je pense que il n'y a pas eu de coup d'éclat, mais je fais une course à mon niveau et ça me satisfait. Repartie de Davos rassurée, les deux filles de l'équipe de France ont fait un détour par l'OPA Cup pour remporter chacune une victoire avant de s'aligner dans quelques jours au départ du Tour de Ski. Le soleil est bas début décembre en Finlande. Mais pour Clément Paris, c'est comme s'il était au zénith. Pour la deuxième saison consécutive, il débute la Coupe du Monde avec le groupe A. Un sprint classique pour commencer, puis un 10 km libre, terminé loin des meilleurs. À 22 ans, il sait qu'il doit encore travailler. Un week-end compliqué, oui, j'espérais un peu mieux, mais c'est comme ça, c'est de l'expérience qui rentre. Et j'ai découvert ce site, qui est un site compliqué en début de saison, toujours. Voilà, c'est ses premières courses en Scandinavie, elles sont dures, il y a du monde. Il faut tous qu'ils montent quelque chose là-haut parce qu'ils sont. Il y a une densité folle. Et du coup, voilà, j'étais pas au mieux et ça peut pas marcher. De retour au pays, il faut chercher la neige pour s'entraîner. Direction La Clusaz, sur le site où la Coupe du Monde reviendra l'an prochain. Clément Paris refait du volume. Il n'était pas à Davos et va retrouver l'OPA Cup, cette antichambre de la Coupe du Monde, idéale pour refaire le plein de confiance. C'est une requalification pour la Coupe du Monde, il faut être là. Mais après, ça fait aussi du bien mentalement de rejouer devant sur les courses à un niveau moindre. À force, une 40-50e place sur la Coupe du Monde, bah, tu sais pas. Tu sais pas si tu pourras vraiment progresser un jour, ça. Tu te poses quelques questions, quoi. L'an dernier, ça m'avait fait du bien de retourner en OPA mentalement. L'an dernier, ça lui avait réussi. Il avait terminé la saison en trombe avec une place de vice-champion du monde moins de 23 ans sur le skiathlon. Une saison qu'il avait débutée en novembre à Beitostolen pour une première apparition avec les cadors de l'équipe de France. Nous avions découvert un Clément Paris discret, cherchant à se faire une place dans une équipe fraîchement médaillée olympique. C'est vraiment un battant, dès qu'il met un dossard, je pense qu'il met un autre visage. Et c'est vraiment quelqu'un qui va au bout de lui-même. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu réservé, mais qui a un énorme potentiel et un gros caractère qui se cache derrière. À 21 ans, c'était le temps de la découverte, dans les pas d'Adrien Backscheider, d'un an son aîné. Le Vosgien a depuis intégré le relais et s'est approché du top 10. Clément Paris connaît la voie à suivre. Thank you.
Russen vorne bei den Norwegen. Und Pellegrino, Pellegrino attackiert ein bisschen hier. This is my homemade guitar. Salut à tous, je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année à tous. À bientôt.